Yves Deleu. Bâton de jet du tonnerre. Alors, par quoi on commence? Matière spectrale. Carapace dure. Super mal. Donne de l'XP quand même. Et bonjour Tapisbeer, allô. Où tu vas? Ça va, peut-être dans le cul. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire.
Matière spectrale. Carapace dure. Petit réveil. Je vous dis de ne pas entrer! Ces monstres montrent que vous êtes un grand guerrier. Je sais. Merci.
D'accord. Tu ne peux plus rien porter. Ok. Tu ne peux plus rien porter. Mais si, Hakan. Je vais être trop lourd là par contre, oui. Ah non, ça passe. Ok. Bon là par contre. Ton inventaire est plein. Ok, Memphis. J'ai pas le temps de discuter, j'ai trop à faire. J'imagine que vous voulez quelque chose que je n'ai plus en stock. C'est cela, oui. L'anneau gravé d'esprit, niveau 23. Je monte à fond la maîtrise de la tempête et je prends décharge. Améliore la capacité de coup de tonnerre de la tempête. Générant des arcs électriques. 30 à 105 de dégâts d'électricité. 0,5 secondes d'étourdissement. Ça devrait être assez mastoc. Sympathique. Voyez donc ça. Un grand guerrier venu d'une contrée lointaine. Je parie que tu trouveras ton bonheur ici. On peut toujours aller. Plus de force, non. Plus de force, non. Niveau 25 en plus. Plus 16% de vitesse d'attaque, non. Reviens me voir. Entre, je te prie. C'est toujours un plaisir. Seth et Osiris étaient frères.
Un coffre pour décharger un voyageur encombré. 10% d'énergie drainée, 90% d'absorption d'énergie sur 3 secondes, 10% d'essence et absorption d'énergie pour la matière spectrale. Je pourrais faire l'oral d'agonie, mais je vais attendre. Bonne journée alors. Ouais, c'est ça, ouais. On lui dira. Allez, c'est parti. Intéressant. Qui tu attaques? On va commencer par celui-là alors.
Ah, d'électricité de feu. Oh là là. Je passe de 147 à 238 DPS. Enfin, de dégâts moyens. Et de 118 à 192 de. Oh putain, c'est énorme la différence. Et là, les contre-attaques par les stocks. Par contre, ça envoie de l'électricité, j'aime pas ça. I don't like it. Yep, 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 yep. Que je fais comme ça par là. Ah non, j'ai pas fait le boss encore ici au Sphinx. Si j'oublie le Sphinx, c'est pas beau. Charme de vie. Langue d'Isis. Parchemin d'Onéros. Intéressant. Ça n'a pas.
Vivement Starfield. Est-ce que mes yeux me ce sceptre nous a moi? Essence du jet d'Osiris. Fais comme chez toi. Plus de force, non, ça m'intéresse pas, non merci. Non. Non, 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 non. Sans démon, matière spectrale, non. Au revoir. Enfin si, mais non. Un coffre pour décharger un voyageur encombré. J'ai pas ramassé beaucoup d'essence, hein, putain vache. Bonne journée alors. Ça craint. Ok. Le bouclier mystique, dommage. Quand on attaque par le feu, le froid, la vitalité, résistance à son énergie, résistance aux éléments. Plus 20% de force et de vie. Oh. L'homme d'obsidienne. Le jeu me drague. Avec des armures de force. Oula, tatatatatat, un petit héros.
peut faire très mal, enfin, faut se méfier quand même. Attention, il est dangereux, lui. Ok. Allez, un petit boss. La main d'équilibre. Signe de stabilité. Ça, c'est. Sans étourdissement. Couleur d'Anubis. Tu ne peux plus rien porter. Je vais bien le croire. Bonjour. Récence absence. Non, le sujet très bien. Non. Ça fait chier, hein. Je vais garder un peu. Quoique, c'est à quoi ça sert? Bon, je vais mettre de côté, mais je pense que je revendrai, mais. C'est toujours un plaisir. Je vais quand même mettre ça de côté, on sait jamais. Nos coffres sont spacieux et sûrs! Yep. Bon voyage. À
Achetez vos potions maintenant, je n'en aurai pas d'autres avant la semaine. Au revoir alors. Au revoir alors. C'est cela, oui. Go to the next. Fayoum. Champ affect. Petit fruit habituel. Il doit charger le désert au-dessus, à mon avis. Peau de harpie. J'ai passé à Minecraft à 7h30. Tu es celui qui vient de Grèce. Le petit désert. Ou un héros, attention.
La chute militaire de délabrement. Inutile, évidemment. Peut-être me taper la grosse grotte comme ça s'est fait ce matin. Okay. Heureux de te rencontrer. Oasis de Fayoum. Je ne compte pas retourner dans... J'allais dans cette direction, je suis tombé dans une embuscade sur la route. Bienvenue, voyageur. Armes, armure, potions, arc, bâton, que voulez-vous? Intelligence, tout ça, non, pour l'instant ça va. Putain, rien d'intéressant ici, hein. Voilà. Brunny, marron, gris, non, il n'y a pas ce que je cherche. Au revoir. C'est vrai que les carabins étant sont dus. Je leur parle, sinon ils vont me casser les bonbons plus tard. Je suis allé dans le désert. Pas question de risquer ma vie pour de l'or et des... Ouais, on va se taper la grotte, comme ça c'est fait. Ça, ce sera fait. Ça ne sera plus à refaire. Peut-être que si, on verra. Gardamonra. Framea empoisonné de feu. Écu protecteur.
Nichon infect. C'est effroyable. Ok. Oh, encore un héros. Héraclos. Yo 24. Est-ce que je prends une autre compétence? Est-ce que j'attends encore un petit peu? J'essaie de tenir encore. Il y a le rêve, donc rêve lucide. Dégâts à la vitalité, plus de dégâts aux démons. Dégâts de brûlure électrique. Chance de traverser les ennemis, vitesse des projectiles pour les bâtons. Ça pourrait être intéressant. Absorption des dégâts avec le champ de distorsion. Alliance noire. Là aussi l'augmentation de vitesse des projectiles, le secret des arcanes. Avec une triple attaque. Spectre. Je testerai bien la triple attaque et le secret de l'arcane. Ça prend une blinde en énergie. Hein. Dégâts totaux, dégâts d'électricité, chance de pétrification, plus 0,5 m de rayon d'action, 7% d'amplitude d'attaque. Ah, Il
Leur tranquillité qui prend beaucoup d'énergie quand même, mais qui absorbe beaucoup les dégâts. 5 coups en énergie par seconde quand compétence active, mais 10% d'absorption de dégâts et ça augmente avec le temps. Et des chances de contre-attaque par le feu. Des chances d'esquiver les attaques et de renvoyer des dégâts aussi. Ah non, ça renvoie carrément les dégâts en fait. L'armure en fusion. Quand une potion est utilisée, plus de régénération de santé et d'énergie, résistance au poison, absorption de vie au saignement. Et quand je n'utilise pas de potion, j'ai plus de vitesse d'attaque, de vitesse de lancement de sort, etc. Là, ça baisse la résistance des ennemis. Bon, après, ça, les terres cuites, c'est pas forcément ce que je préfère. Ça m'intéresse pas des masses non plus. Ce qui est très fort, c'est l'aura de tranquillité. Qui protège superbement. Des dégâts. Full food, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais bon. Rien que pour l'aura de tranquillité. Les élixirs puissants aussi, c'est cool. Il y a tout le poison ici qui est super cool aussi pour ça. Après, pas le reste, c'est pas intéressant pour le magicien. Là, il y a l'art de la chasse qui pourrait marcher. La baisse de la résistance aux éléments avec l'observation de la proie. Après, il n'y a pas grand chose d'autre. Et niveau de charge avec ça aussi. Les armures uniques. Contre-attaque élémentaire aussi. Là, ça crée des explosions. Là, ça augmente la force et les déplacements. La résistance saignement, dégâts de la vitalité. Non. 10% des élémentaux. L'armure d'énergie, c'est plutôt cool. La tour, c'est surtout pour les loups. Et le cœur de chêne qui monte la vitesse totale et la vie. Résistance aux éléments. Je prendrais bien Nedan. Ce que j'aime avec Rêve et Esprit, c'est que ça agit sur le bâton. La vitesse de tir du bâton de magie. Ce qui est plutôt cool. Ouais, c'est très haut niveau, mais une fois qu'on a ça, ça doit être sympa quand même.
Par contre, niveau 40 là-haut, pour monter là-haut. Niveau 40, il faut presque 20 niveaux. Je suis niveau 24, ça c'est pas avant niveau 40 au moins que je peux débloquer ça. Il y a aussi une augmentation de la vitesse totale. Petite augmentation, mais quand même. Protection contre le ralentissement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'aura de tranquillité qui protège vachement. Il n'y a pas, par contre, il n'y a pas d'augmentation de vitesse. Ça, c'est dommage. Il n'y a aucune augmentation de vitesse. Ça, c'est. Tiens, il est 7h32. C'est des dégâts renvoyés, ça peut être assez cool. Second souffle qui est assez énorme. 45 secondes de rechargement. On peut faire monter à 20 secondes, je crois. Au moins 20 secondes, ce qui fait que 20 secondes de rechargement entre deux trucs. Le colosse hein, qui reste efficace aussi même en magie hein, pour absorber les dégâts. 30% d'absorption de dégâts au minimum, au minima. Par contre, force dextérité, pas de magie. Hein. J'hésite entre esprit et rêve. Il y a un peu Nedan. Il n'y a aucune protection par contre hein, avec... Il n'y a rien qui protège avec la maîtrise des esprits. Hein. Je pense que je vais rester sur rêve. Hein. Après, il y a la terre avec le bouclier de chaleur, dégâts physiques. Bon, ça, c'est classique. On va prendre ça, contact optionnique, rêve. Je vais continuer de monter la tempête en priorité. Il faut que je monte assez rapidement à la transe d'empathie quand même.
qui permet de renvoyer les dégâts et de convertir une partie de dégâts d'attaque en vie. Ouais. Ok. Bon, je vais finir cette zone. Je préfère des petits dégâts de zone avec, avec le bâton aussi, ce qui sera pas du luxe. Clairement. Je suis dans la grande grotte. Je m'appelle comment en fait? Je suis un prophète, ok d'accord. I am the prophet. The only one. Ah ah, non, je suis pas mort. Ces grottes, c'est la dernière grande salle. Et ensuite demain le craft. Tu n'as plus de place. Sérieusement? Fayoum. Je peux mettre tout maintenant, je peux mettre tout dans la force, la santé, l'énergie, l'intelligence. What? L'électricité, non. Plus 15% de vitesse d'attaque. Non. Bon voyage. On lui dira. Et hop. Finalement, je vais commencer à 8h. Minecraft, ça continue. Mais non.
Mais non, mais non. Bizarre qu'il y ait des scarabées ici. Terrain intéressant. Ben voilà, c'est bon. Memphis. Ok, je range l'inventaire. On va passer à Minecraft. J'ai du feu, du verre à poser, du sable. J'ai un truc à faire, un peu space. Bonjour. Non, c'est pas toi. Revenez me voir. Toi, tu ne m'intéresses plus du tout. C'est fini la force. J'ai fait une croix dessus. Maintenant, c'est intelligence. Un coffre pour décharger un voyageur encombré. Il sort infect. Ça, je peux vendre maintenant. Vos affaires sont en sécurité avec moi. Okidoki. Seth et Osiris étaient frères. Ok. Quoi? Chance d'étourdissement. 10% de chance d'étourdissement quand même. Bon, c'est bon. Il est bien sujet. Bon, maintenant j'aimerais bien trouver des trucs plus sains aux compétences. Ça m'arrangerait. Ok. Reviens me voir. Ça c'est fait. Domani la suite. On va passer à Minecraft. Je lance la bête. Change le titre du stream. Je vais faire les courses. Je vais aller au Monop. À 9h. J'arrête à 9h. Minecraft donc. Jouer si possible. Musique. Je sais plus quoi mettre moi. Guthrie putrie. Toujours la même chose. Youpi. Je vais dans une minute. Aïe.
Oui, je dois faire ça. Comment je fais pour monter là-haut? Il va en falloir du sable pour vider tout ça. Mais non, pas tant que ça. Dans ce sens-là, non, c'est pareil. Fuck, forcément. C'est profond, très vite. Sérieusement, oh, j'ai plus de pelle. Non, pourquoi? Je n'ai plus de sable. Ici.
Non, pas la cute. Je vais sur le wiki de Minecraft pour le cuire, voir s'il n'y a vraiment pas un moyen de ne pas tuer les vaches. Sans que ce soit chiant. Pauvre bête. C'est là que ça se complique pas, mais comment est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Bonne question. Il faut que je ferme ça. Hein. Sinon, je commence. Comment est-ce que tu veux que je fasse? Mais faut mettre du. Faut que je mette du dur. Il faut que je croise ça aussi. J'ai pas de pelle. Tête de nœud. On va chercher une pelle. Comment que je vais faire? Bonne question. Ici. What? Oh, c'est toujours rien. Je vais crever, vous allez voir. C'est cela, oui. Ça, ça descend super bas en plus, cette connerie. Elle descend. What the fuck? Je pourrais déjà commencer à descendre un peu le vert. J'ai pas. J'ai peur, c'est con. Je suis pas fan des profondeurs. Hein. Je vais commencer à descendre déjà un peu le vert. Au fur et à mesure, je pense. What? Mais comment je fais sur le côté? Alors, commencer par 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Traverse l'eau. Il veut pas s'enfoncer, ça m'énerve quand il fait ça. L'autre temps, ça va. Ah, je me suis trompé. Oui. Un petit peu. C'est par 9. Comment est-ce que je vais faire ça? Bon, pour l'instant, peut-être que je vais juste mettre un peu de sable. L'autre côté, par contre, c'est pas possible. Faut que je me décide sur ce que je vais faire ici, moi. Attends, je vais la faire ce côté. Oh putain. Ok. Elle est rapide. Ça fait 9 de hauteur là. 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça va. Il y a de la marche pour l'instant, ça va. J'espère que toi ton va bien. J'ai pas une pioche moins rapide, ça m'arrangerait. C'est pas celui tout qu'il faut faire. Hein. Faut que je sois à l'intérieur. Hein. Fuck. 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 Fuck, 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 fuck. Ah oui. Ça, tu gardes le sourire. Bon courage, toi, ton. C'est qu'une aberration, ça. Et bonjour, Combinator. Mais bon courage. Hein. Bonne rémission, tout ça, tout ça.
peux encore péter dans une case. Pourquoi ? Ça descend encore ici. Je peux encore descendre encore d'une case, mais c'est chiant là. Merde, j'ai pas mis de torche. Tu es full. Eh oui. Eh oui. C'est de savoir ce que je vais faire dans cette zone là. Bonjour Chocomilk, hello. Faut que je réfléchisse, j'aime pas ça. Je fasse d'un côté déjà, faut que je vire tout ça quand même. Y a pas d'autre ce côté, non.
Parce que je fais tout le long en... avec cette couleur, ou est-ce que je fais du blanc, ou est-ce que je me tâte encore. Je suis full, putain de bordel de... Attention, il peut y avoir des trous ici. Hein. Fuck. Bonjour poupette, hello. Je vais d'abord faire quoi? Je vais faire plutôt un escalier qui monte par, par là, mais bon. Je vais virer ce verre là déjà aussi. Ah, on va se marrer. Quelle idée. Ça fait 7 de large ou 9 de large? 7, je pense. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de large. Ok. Quelques stacks donc. Ok, on y retourne. Même plus, hein, depuis y aller. Hein. Je n'ai fait que aussi en bas du verre. En bas là-bas.
suis concentré sur la pose du verre. J'espère que tout le monde va bien. Fuck. Bah ça avance. Ok, cool. Maintenant, ensuite, je vais quand même voir si je peux pas faire une longueur. Qu'est-ce qu'il me faut là exactement? Je vais commencer par faire du... Je pense à faire autre chose en fait, mais c'est un peu compliqué. J'ai envie de dire au secours, au secours. Je fais ça pour l'instant. Il me faut du jaune, orange, marron, de tout en fait il me faut. Je prends un stack de chaque, au moins deux, trop de deux, enfin on va voir. Plus de place. J'ai pas oublié un truc. Trop de sandstone dans mon inventaire. Ouais. Surtout que je sais pas du tout ce que je suis en train de faire là, donc... Ah, mais est-ce que je... Non, c'est pas possible si je fais ça. Non. Oui. Comment ça va? Comment est-ce que je vais finir là-bas?
C'est pas de l'autre côté que tu voulais faire? Ouais. Merde. Fuck, c'est l'autre côté. Ce côté plutôt. Gênant qu'il y ait une largeur de 2 là. Non. Non, c'est bon. Ensuite, il y a du jaune sur 3 cases, apparemment. T'es sûr de ce que tu fais? Pas du tout. Je sais pas du tout ce que je fais là. Mais on fait quand même, hein. Et merde. Sérieusement? Je méfie parce qu'en dessous il y a du vide, hein, pas loin d'ici. Là où il y a le gravier, je crois qu'il y a du vide. Faut que je marche dessus. Ouais, mais comment je vais faire ensuite la même pierre, ça et ça. On a connu pire au niveau du verre. Et on connaîtra pire normalement. Si tout se passe bien. What are you doing? Un peu visuellement, enfin pour me repérer un petit peu ce que je dois faire. Il y a du orange, terracotta ici. C'est du brown. Encore sur 3 cases. Thank you.
C'est pour me donner une idée de ce que ça va donner par la suite. De la terracotta encore. Non. Non, c'est de l'orange ça. Ok. Ouais, d'accord. Ok. Bon, j'ai plus de blocs. Donc. Je peux marcher ici. Une longueur comme ça, est-ce que c'est intéressant ou pas? Je suis même pas sûr. Parce que comment je fais ensuite, une fois arrivé là-bas? Rien en fait. Est-ce que ce serait pas mieux de faire du blanc? Ou alors je fais un truc random qui s'arrête d'un coup et ça devient du blanc ensuite ou... Putain, j'ai failli sauter dans le vide, j'ai pas vu qu'il y avait pas de verre. J'ai confondu avec l'autre côté. Bon, je fais des trucs un peu comme ça, comme les trucs de musique, vous savez. Fallait... Je peux faire un truc un peu comme ça en fait, et mettre du blanc ensuite, hein. Ça peut être assez beau quand même. Hein. Faire un truc un peu random, ouais. C'est pas forcément moche. Hein. Merde, j'ai pas d'orange. Et là du blanc ensuite. Ouais. Parce après ça sera compliqué pour faire le lien avec... faudra arrêter au bout d'un moment, peut-être même avant même. Ouais. Par contre là, il faut que je remette de là. Je fasse gaffe parce que je reste tombé dans un trou ici. Mettre de la smooth pour l'instant, un truc bien propre. La pute, pas de la smooth. Ne pas confondre d'ailleurs. J'ai pas confondu d'ailleurs, non. Un trou, non. C'est bon. Pour l'instant, je vais mettre ça comme ça, donc. Faire la même chose de l'autre côté.
Fuck. Attends, je vais mettre du blanc ici, comme ça moi c'est fait. Je commence un petit peu ici aussi. Mettre de la cute. Voir ce que ça donne. Peut-être que je vais mettre du sable blanc en fait. C'est pas plus beau que de la cute. Non, ça. Je me pose la question. Là, je me demande si... Ah, au secours. Je me demande si c'est pas mieux, en fait, de mettre de la cendre. Parce qu'elle est plus unie, en fait. Est-ce que ça va pas me gêner plus tard de mettre de la cendre? Ouais, peut-être pas, non. Ça peut être plus beau, hein. Ouais. Of course. Je suis en train de faire quoi là? Là je ramasse ça aussi. C'est la fête du slip. Alors attendez. Jusque là pour l'instant. Du sable sur les côtés, c'est plus beau. Je vais tenter déjà, après on verra. Fuck. Oh putain, j'ai plus de place. Oh fuck. Il manque un bloc de terracotta, je crois, là-haut. Non? Non, c'est pas... Non, c'est du orange. Fuck. Quoi? Comment ça, c'est du orange? Ah, c'est du orange. Ou du rouge. Du orange. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Juste un bloc, en fait, il manque. Ici. Non, je mets du sable partout.
Ça c'est rare. Je vais monter le sable juste jusque la bordure. Plus tard. J'espère que c'est bien ce que je fais, sinon je vais tout recommencer encore. Mais c'est bon. Faut laisser faire un peu l'instinct, on va dire. L'instinct de mon cul, oui. Excusez-moi. Mais oui, ça va bien sortir. C'est un peu psyché, quoi. C'est... ouais, c'est bon. En faisant une symétrie de l'autre côté, ça devrait pas être trop moche. Dans ce cas, oui, par contre, comment est-ce que je fais ici, moi? Faut d'abord savoir ce que je vais faire ici, aussi. Bon, déjà, je fais ça. Je laisse venir au moins jusque-là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Quoi que, de toute façon, ça ira jusque là-bas, de toute façon. Mais après, ça va s'enfoncer encore, je crois. Parce qu'après, comment est-ce que je fais avec la grotte en dessous C'est pas très grave si le sable descend plus tard, je le remonterai, c'est pas très gênant. What I'm doing. Le verre. Après je pourrais réarranger ça en douceur, on va dire. Peut-être que j'aurais peut-être dû péter des blocs sur le côté parce que ça fait un petit peu trop descente. Peut-être un jour je détruirai tout, on verra bien. Sable, on va descendre en bas. Faut que j'en laisse un peu ici quand même. J'ai plus de sable ici. Si je dois avoir un double coffre. Attends, je vais finir ça aussi. Je finirai ça demain. J'arriverai pas à finir aujourd'hui. Attends, ça, je nettoie un petit peu le bordel parce que. Faut que je descende en bas pour le cuir. Aussi. Shut up!
Allez, on va descendre en bas, dans la grande grotte. Je pourrais poser ça en attendant, vite fait. On verra quand il y aura la symétrie ce que ça donne. Faut que je pète une partie de là pour qu'on puisse voir d'en bas l'océan peut-être, parce que là ça y aura une coupure au niveau de la vue là. Tente. Faites chier à la fin, vous. Il y a plein de points de spot. Torque. Non, tu déconnes. Stop it. Je remonte ça, c'est tout. Je remonte ça aussi. Attends, laisse un petit peu, non ça cuit, non c'est pas peine. Je remonte. Dodo. Ah oui, je suis pas allé voir sur le... Bon, on fera ça demain ça. Le wiki pour le cuir. Fuck, il va faire nuit. Il fait nuit. Je vais finir de mettre le verre du coup. Ça, je pourrais marcher au-dessus. Tranquillou.
Et bonjour, à bientôt. La grêle. C'est amusant. Lol. On devrait avoir des mods là-dessus aussi, peut-être. Bonne matinée. J'arrête dans un quart d'heure, je vais faire des courses. Bon, je vais faire ça plutôt ce côté-là. Ok. Fuck. Marcher sur les trucs comme ça. Et bonjour Fiban. Hello. Fuck. Oh, j'ai pas tout terminé. Il manque un petit morceau. C'est pas grave. Bon, on va finir aussi cette zone level, ce truc là. Terracotta. Orange, terracotta, orange, terracotta, bleu, jaune, white, je sais pas quoi, non pas ça. J'avais plus du white, non? Ah si. Je crois que c'est bon, non? Peut-être encore un petit peu de ça et ça au cas où. Comme ça je finis ça. Et de la sande. Une bonne chose de faite. Pour l'instant, je fais vraiment ça à la mort molle, hein, excusez-moi.
J'ai un truc symétrique, après je verrai si je démonte tout, si ça me plaît pas plus tard, on verra si... Pour l'instant je fais ça, on verra bien. Allez, du jaune. J'ai pas pris assez de jaune à mon avis. Du curry. J'espère que vous allez bien en tout cas. Bonne matinée à toutes et tous. Ça va être un peu juste. Mais non. Si si. Ça va être plus de poils à mon avis. J'aurais pu faire un décalage encore d'une case ici, ça aurait été sympa, tant pis. Ce qui est chiant, c'est que si je dois poser un bloc, je dois faire descendre toute la je dois faire descendre tout le sable d'en haut. Ça c'est pas cool. Vaudra mieux retirer des blocs que d'en rajouter. Je vais arrêter le stream dans 5 minutes. Pas du tout. Si ? Si, si. D'une case quelque part, non, je suis en face là, ouais. Du rouge. Oh, j'ai pas pris de rouge. Le con. Oh, fuck. Oh, get out. Orange, rouge, ça on s'en fout maintenant. Et du sable.
On sait jamais. Fuck. Et bonjour Croquette. J'ai peur de manquer de sable. Ça commence à être limite. Hello Croquette League, j'espère que Croquette League va bien. J'ai du mal à parler. Je m'arrête tout là. 1, 2, 3. Eh bien. Good. Bon réveil. J'ai raté dans 2 minutes le stream. Enfin dans quelques minutes. Je dois faire les courses. J'ai pas fait une belle descente, hein, c'est dommage. Hein. Pour l'instant, ouais. C'est bizarre ce que je fais. Hein. Je comprends pas exactement le sens. À quoi sert cette zone en fait. Je suis pas sûr de comprendre. Je peux le faire par en dessous. Ah! Attends, pas en dessous, je fais pas. Bon, c'est pas un truc énorme à modifier si je dois modifier un jour ça. C'est pas très compliqué non plus. J'aurais peut-être dû mettre du sable sur les côtés en bas, mais je me tâte. Il m'énerve ce bloc en bas. Je suis très mitigé sur cette histoire de ce truc que j'ai fait là, un peu psyché.
Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûr. Hein. C'est le moins d'intérêt de faire ça. Quoique. Peut-être la façon dont j'ai construit le truc est pas super top. Genre, peut-être que je devrais casser des blocs là pour. Quoique. Faut que ce sera bien propre, hein, pourquoi pas. C'est con, il me restait pas grand chose pour débloquer le. Pour finir le verre au-dessus. J'ai pas un bloc de verre qui traîne, un stack. J'ai pas mis un. Faut que je descende en bas, fait chier. Oh, je vais refaire. Je vais descendre. Putain, j'ai plus de sable. Incroyable. Je vais chercher le verre en bas. Comme ça, je finis ça et j'arrête le stream. Je vais faire des courses. Bien. Je suis content. C'est bien cuit. Putain de casse-couille! Get out! Tu n'arrêtes pas à me casser les bonbons, mais. Les zombies. Plus de place, évidemment. Dans le cul, moi. Et il manque un truc à cuire, ça, on va dire. Allez hop, on remonte. Ça, je pose ce verre, ce sera fait. Demain, je commencerai à faire la descente au niveau de l'océan. Par contre, j'ai pas de respiration, c'est chiant. C'est un peu chiant quand même. C'est pas très profond, mais c'est quand même pas chiant. C'est quand même un peu casse-couille. Je vais faire les courses, je m'en vais. Il faut que j'ai des légumes. Où est-ce que je suis là?
Fuck. Fuck. On peut marcher, c'est... Donc demain matin, on fait le bout. Même j'aurais passé de sable, hein. ça, c'est quoi ce délire? Faut que je détruise un peu tout ça là, pour récupérer tout ça de cette zone. Faut que je prenne tout ce sable ici. Bon, je récupère aussi le sable que j'ai posé ici. Là, j'ai mis du verre, ça va descendre, mais jusqu'où, je ne sais pas encore. Mais du coup, je peux mettre du sable aussi dans toute cette zone, en espérant que ça gêne pas trop. Pas de raison. Ouais. Faut que je fasse une descente de sable pour monter les escaliers. Comme ça, je pourrais péter les escaliers. Je vais faire ça tout de suite d'ailleurs. J'en ai pour deux secondes. Je vais me faire une petite descente d'escalier en sable. Sur le côté. Parce que je vais détruire l'escalier en sandstone qui est ici. Si elle a cette descente, elle va sauter. Donc je vais faire une petite descente, une petite montée ici, je pense. En attendant. Qui va monter, comme ça au moins je monterai par là. Et tu peux pas faire ça de l'autre côté plutôt? Ça aurait pas été plus intelligent. Mais non. Si, si, ça aurait été plus intelligent, mais tant pis. Hop. Ça, je peux aller de l'autre côté. Là où il y a les coffres. C'est ici qu'il faut aller. Ok. Donc là, il y aura de la cendre, donc. Normalement. Et de côté. Et on fera ça, donc. Demain. Mais je le fais en tout cas, hein. Je sais pas ce que ça va donner, parce que j'aurais bien voulu creuser en dessous pour qu'on puisse voir le fond de l'océan de la grotte en bas, mais ça va pas être possible, donc je sais pas ce que ça va donner visuellement. Ça va être un peu pas aussi bien que ce que je pense, mais bon, on fera avec. Bah allez, hop, passez une bonne journée, bon zapping sur Twitch. On verra ce qui se passe ici. Je sais pas. Bon zapping sur Twitch. Bonne journée. On se retrouve demain pour la suite. Et tout à l'heure, peut-être, non, cet après-midi sur je ne sais pas quoi. Certainement Conan. Ou un autre jeu. On va voir. Passez une bonne journée. Bon zapping. Bonne matinée. Ugh.